Bonjour et bienvenue à l'émission Culture Active. Cette semaine, nous allons découvrir l'artiste Isabelle Massé, qui fait présentement une résidence d'artiste au Parc du Boisé des Frères à Victoriaville. Alors, restez avec nous si vous voulez en découvrir plus sur cet artiste et son univers qui l'entoure. Bonjour Isabelle, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, on aimerait savoir c'est qui Isabelle Massé, puis c'est quoi ton cheminement en tant qu'artiste? Moi, comme artiste, dans le fond, j'ai toujours fait du collage depuis que je suis toute petite. T'sais. Fait que j'ai touché à plusieurs médiums. Par exemple, mon dernier projet avant celui-là, c'était un projet sur le cancer, où j'ai fait, si tu veux, la création du projet, la mise en scène, tu sais, des photos, c'était des photos d'un modèle, puis c'est ça, c'était comme des petites, c'était très narratif. En tout cas, ça, c'est mon dernier projet, fait que tu vois que c'est autre chose complètement, mais je suis une artiste en art visuel, moi, en multimédium, là, ouais, multidisciplinaire. Isabelle, parle-nous de ton expérience ici, à la résidence Le Boisé des Frères. Oui, ça fait 2 semaines que je suis ici. Puis en fait, je suis là pour travailler sur mes œuvres. Puis il y a des moments où c'est ouvert au public. Donc, les gens viennent me voir, ils me parlent un peu, parce que c'est sur le patrimoine bâti essentiellement. Fait que les gens viennent me parler de mes tableaux, parce qu'il y a des bâtiments patrimoniaux là-dedans. Puis ils me racontent des histoires sur telle maison, c'était acquis. Puis fait que c'est le fun, le côté ouvert au public. Sinon, je travaille. Beaucoup. Ouais. Puis c'est ça, je suis bien ici, c'est tout entouré d'arbres, c'est inspirant, je vais marcher, je m'en vais à Rivière, je reviens. C'est une belle place. Ici, avec les autres artistes, est-ce que tu fais des collaborations ou? Non, la façon que c'est organisé, c'est on est là, je pense, 1 semaine ou 2 chacun, là. C'est à tour de rôle, tu sais. Puis les gens, ils rentrent, ils viennent voir ton processus. Oui. C'est ça. Puis ils peuvent aussi essayer le collage rapidement, là. Oui, oui, c'est ça. Parlant de ton processus, c'est quoi la vision de ton projet? Oui, tu prends des bâtiments que tu visites, mais c'est ça, est-ce que tu prends les photos? De où tu t'inspires aussi pour choisir qu'est-ce que tu mets dans tes œuvres? Oui, admettre. Ici, je connaissais déjà les bâtiments quand je suis arrivée ici, là. Tu sais, je savais quel je voulais faire l'Hôtel L'Union, tu sais, je savais quel je voulais faire. Mais admettons, je suis dans une ville que je connais pas. Je vais arriver d'avant, quelques jours d'avance pour faire du repérage. Pour trouver les angles aussi, Moi, j'aime ça montrer le patrimoine sous un autre angle aussi. Puis je transforme la maison, je la déménage, je la rebâtis. Mais c'est ça, j'irai en repérage faire des photos. Puis je ferai aussi une recherche sur le web pour voir l'année de la construction de la maison, l'historique, tu sais, un peu de... Comme l'Hôtel L'Union, ben, tu sais, l'année de la construction, puis à quoi il a servi au début. C'est un hôtel. On va voir tout ce qui englobe le bâtiment. Oui. Pour vraiment s'immerger dans l'œuvre. Oui, c'est ouais. Ça. C'est ça qui m'inspire parce que j'adore le patrimoine. Je suis vraiment là, je suis Arthabasca Vito dans ce projet-là. OK. Fait que mon processus, tu me demandais. Fait que je te disais que premièrement, je vais en repérage. Je fais des photos, je les imprime, je vais les mettre dans mon espace de travail. Puis j'ai déjà, toutes mes images sont presque toutes découpées déjà. J'ai des tiroirs de fenêtres, de portes, de nourriture, d'avant-plan, de ciel. Fait que là, je regarde ma maison, puis je choisis mes éléments, je la construis au fur et à mesure de ce que je trouve dans mes plateaux. Puis c'est comme ça. Si c'est pas un élément du patrimoine, comme admettons celle-là ici, il n'y a pas de maison dans ça, mais c'est inspiré des grands pins qu'il y a en bas ici, dans le Boisé des Frères. Il y a une allée de vieux pins, là, c'est beau. Je me suis inspirée de ça pour faire cette espèce de sanctuaire, là. Ouais, avec les pommiers des frères, le village d'Arthabasca, un peu, puis le ciel, là, tu sais. Fait que c'est un ensemble. Ouais, et j'ai vu aussi que tu intégrais la nourriture dans tes œuvres. Pour toi, y a-t-il une représentation ou c'est juste que tu as envie de t'amuser avec
les images que tu trouves. Oui, c'était ça. Ça, c'est dans ma première série qu'il y a là-bas. Puis ici, c'était sur le bas du fleuve. Fait que dans cette série-là, j'ai intégré des aliments. Oui, c'était pour le fun. Ça rend ça ludique. Puis, tu sais, un camion avec des choux à la crème sur le toit, là, c'est, ça, ça fait sourire. Mais celle de Victo, non, j'ai pas mis d'aliments dans celle-là. Tu sais, ça change hein, d'un projet à l'autre, ça, c'est jamais pareil. Oui, ici à la résidence, les gens peuvent participer aussi avec les artistes. Ça ressemble à quoi? Ben, en ce qui concerne moi, c'est de toucher au collage. Fait que ce que j'ai fait, j'ai déjà découpé des images tu sais, de différentes textures, différentes couleurs, des éléments aussi, une petite porte, tu sais, des choses comme ça. Et les gens peuvent aussi découper dans les revues, mais là, ils partent avec ça. Puis j'ai un grand panneau de 6 pieds par, je ne sais pas combien de pouces, là, un petit panneau. Les gens peuvent coller, ils peuvent se faire une petite maison onirique. Fait que ça fait finalement un village, tu sais. Donc, il y avait ça comme activité pendant les heures d'ouverture. Puis ce panneau-là va être exposé à la bibliothèque Acide Fleury pour l'été. Oh. Oui, c'est vraiment le fun. Il y a des gens qui ont mis des animaux, là, puis tu sais, ça sort un peu du sujet. C'est parfait. C'est vraiment beau. Tu peux nous décrire un peu l'idée puis la suite des œuvres? Si oui, OK. Donc, c'est ça. J'ai fait du repérage, j'ai pris quelques photos, puis j'ai sélectionné des bâtiments, pas toujours patrimonial, mais des fois, c'est un patrimoine... comment je pourrais dire, c'est le patrimoine immatériel, là. Comme admettons Chaussures Beauchêne, c'est une institution aussi de magasin de chaussures, puis ils ont des vieilles chaussures en néon sur le toit du magasin depuis les années 50, je pense. Puis, ben oui, c'est matériel, là, en tout cas, mais c'est du côté plus une institution comme le cinéma Laurier qui n'existe plus maintenant, mais il a été bâti en 1947. Fait que je me suis inspirée de ça, puis j'ai fait des tableaux... inspiré de ces bâtisses-là. Tu les immortalises dans le temps un peu. Oui, c'est ça. Pour rendre hommage aussi, comme par exemple le cinéma Laurier, il y a M. Carrier qui a été là au cinéma. Il a travaillé là pendant 60 ans. Mmh. Tu sais, quand ils ont démoli la bâtisse, il était assis sur un banc un peu plus loin puis il regardait ça. Puis j'imagine combien il devait être triste, tu sais. Fait que ce tableau-là, c'est pour rendre hommage à cet homme-là. Puis c'est un endroit que les gens, tu sais, d'un certain âge ici ont fréquenté dans ces années-là, dans les années 50. Fait que c'est ça, je l'ai refaite à ma façon. un autre exemple, ça serait l'hôtel L'Union qui a été bâti en 1889-90. Ça se contredit un petit peu. Puis, ben, c'était un hôtel à côté de la gare, qui est aujourd'hui le Vélo-Gare. C'est une belle bâtisse. Je ne sais pas si vous êtes, que ça vaut la peine d'aller à l'intérieur parce que c'est resté vraiment... Il y a des parties de l'intérieur qui sont restées vraiment intactes, comme le plafond en métal embossé. Là. C'est vraiment beau. Fait que moi, je l'ai repris, l'hôtel L'Union, puis je l'ai refait à ma manière. Je l'ai déménagé. J'ai déménagé souvent les maisons. Comme dans le bas du fleuve, je prends les maisons, je les apporte sur le bord du fleuve. Oui, Isabelle, est-ce que le collage a toujours été ton médium ou tu as touché à autre chose ou tu touches actuellement à autre chose? Oui, bien en fait, le collage, j'en fais depuis que je suis tout petite. C'est moi, je jouais pas avec les Barbies, je leur faisais des maisons et des boîtes de carton. Puis ça tenait pas à moitié, mais ma mère, elle me laissait faire, je découpais, puis ça, tu sais, comme là, c'était tout à terre. Fait que ça, j'en fais depuis toujours, mais tu sais, comme ça, là, tu sais, tout le temps, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de collage, mais pas professionnellement, ça, c'est nouveau depuis un an. Mais j'ai fait toutes sortes de médiums, c'est sûr, la sculpture, le moulage de corps. Je fais faire des photographies par des photographes, mais tu sais, comme je disais tantôt, mon projet sur le cancer, c'est, tu sais, je fais une mise en scène, je trouve mes costumes, mes accessoires, mon modèle, puis il y a quelqu'un qui fait les photos. C'est ça. Donc, surtout sculpture, oui, ça ressemble à ça. La sculpture, est-ce que tu intègres du collage ou c'est vraiment juste de la sculpture, tu sais? Oui, non, c'était juste du moulage, mais quand je pense... oui, j'en ai fait une qui parlait du tatouage, mais trop de tatouage, trop de piercing. Moi, j'ai été dans le domaine longtemps, dans le tatouage avec mon conjoint à l'époque. C'est ça, j'ai fait un moulage, puis là, c'était un collage de toutes sortes d'affaires de tatouages. Là. C'était too much information, le titre d'ailleurs. Ouais. Mais sinon, non, pas tellement. C'est plus épuré, là, les moulages de corps. Là. Mm. Ouais. T'envisages quoi pour 2024? T'as-tu des projets?
Oui, oui. Ça, tu vois, c'est un projet qui est financé par la MRC d'Athabasca puis la ville de Victoriaville. Donc, c'est comme la médiation culturelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, on va chercher du financement, puis on monte un projet. Plutôt le contraire. On monte un projet et on va chercher du financement. Là, j'ai déjà un projet de prévu pour Rivière-du-Loup et Kakuna, qui est juste à côté. Ça, c'est à l'automne. Puis, j'ai aussi d'autres projets qui s'en viennent pour l'été d'après, l'été prochain. J'attends les réponses, mais j'ai aussi au mois d'août une animation où je vais donner un atelier de collage dans une maison patrimoniale, qui est un musée là, du patrimoine à... Ça, c'est à Rimouski. C'est un peu ça là, qui s'en vient en gros. Là, je viens de... Tu sais, ici, c'est comme si c'était mon atelier, mais là, je viens de faire remonter une roulotte, une petite roulotte vintage. Ou là, ça, c'est mon atelier. Ça va être mon atelier mobile. Fait quand je vais aller faire la médiation comme ça, au lieu d'être dans un espace X, ben, je vais être dans ma roulotte. Les gens vont venir s'asseoir à la banquette, vont regarder comme on fait là, dans le fond. Ils vont se familiariser avec mon travail. Il va-tu aussi avoir des petites œuvres collaboratives? Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis l'intérieur de ma roulotte, j'ai hâte de... Mon prochain projet après lui, c'est ça. Je m'en vais chez moi, puis je vais tout décorer l'intérieur de la roulotte, comme si on entrait dans une de ces petites maisons-là. Fait que ça va être une œuvre en soi. Ça c'est... Ouais, en fait, c'est ça, mon prochain projet. C'est génial. Ouais, ouais. Merci, Isabelle, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Au plaisir de te revoir. Oui, ben ça fait plaisir. Merci beaucoup. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la régie du logement, même pour non-paiement.